Coucou tout le monde, on est reparti sur un épisode de Niflheim. Je vous avais promis un autre épisode si vous étiez intéressé, c'est apparemment le cas. Donc on est parti, surtout qu'il y a pas mal de contenu encore à découvrir, comme le village au centre de la région. On va creuser un petit peu plus, on va faire d'autres quêtes. Alors, j'ai quand même fait quelques petites choses hors caméra, j'ai récolté quelques ressources, j'ai pu trouver quelques petites... Bon, plutôt des poulets, vu qu'il y a une crête rouge, hein, pour produire des flèches. D'ailleurs, on va les ramasser. Ça va être utile. Et également, j'ai capturé un mouton pour pouvoir faire de la laine. Donc, également, on ramasse ça. Donc là, c'est génial. J'ai obtenu ces ressources. J'ai validé vraiment quelques petites quêtes également au corbeau. Juste hein, les basiques, genre les glands que l'on trouve sur les hérissons, genre de choses. De la viande de lapin, vraiment des choses toutes simples. Et là, actuellement, en mission... Je dois obtenir du pain et je dois obtenir du sel de roche. Donc ça, le sel de roche, on va l'obtenir en creusant. Et du coup, ce que je veux faire, c'est peut-être tenter d'améliorer. Alors, j'ai également fait 30 boulons. Hein. Ils appellent ça des boulons, je sais pas pourquoi. C'est le nom, je sais pas. Je voudrais améliorer ça au level suivant. Donc alors, on peut faire des planches sans problème, mais c'est l'huile inflammable. C'est pas de la braie inflammable qu'il me faut cette fois-ci, mais de l'huile. Ce qui va probablement me demander un autre level. Ah, tiens, je crois qu'on commence à avoir faim. Okay. Donc on va aller voir pour l'huile inflammable quel level il nous faut. Non, je vais pas t'améliorer. À chaque fois je me gourre. Pour moi le bouton E c'est action et, et à chaque fois il m'aille comme ça. Vu que c'est amélioré. Ah, huile inflammable c'est level 3. Donc c'est pas trop loin. Donc pour améliorer et passer au level 3, il nous faut de la peau de sanglier. J'en ai vu un tout à l'heure. Les planches, il n'y a pas de problème. Les lingots de fer, va falloir creuser un petit peu plus. Donc on va y aller. Est-ce que j'ai les outils pour... J'ai alors mon épée presque cassée, j'ai une pioche, on va faire une deuxième pioche, juste une risque de ne pas suffire. Et j'ai vu quelques événements qui nous attendent également un petit peu plus bas, donc on va voir tout ça. Alors hop, non, je vais pas t'améliorer, c'est incroyable, je vais jamais y arriver. On va faire un pic primitif parce que je pense pas que je puisse faire des lingots de cuivre, si je peux. Lingots de cuivre, alors on va à la forge, il m'en faut 4 je crois. De boutons, lingot de cuivre, 1, 2, 3, on va faire 5, comme ça j'en aurai un en rab, au cas où, et on va se faire une meilleure pioche. Là j'ai pensé à appuyer sur le bouton, tac, parfait, et bien on va descendre. Donc côté charbon on est pas mal. Ça va être du fer qu'il me faut. Et je crois que j'ai vu un événement il n'y a pas longtemps. Un événement qui vaut le coup d'œil. Alors, je ne me rappelle plus de quel côté je dois aller pour descendre. Du côté droit, peut-être? Ouais, c'était à côté. Donc, ça va être du côté droit. Alors, si je ne me trompe pas, on va avoir sûrement une autre attaque d'une horde au 14e jour. Ah, ok. Hop, on rentre dedans. On va plus bas. Est-ce que c'était là? Non, c'est encore un peu plus bas. Là, on va profond. On va profond et on va du côté gauche. Et regardez. Alors, j'espère que c'est pas un ennemi. Si je me rappelle bien, ce n'est pas un ennemi. On va lui parler. Alors, je pensais que jamais je ne verrais une personne vivante. Alors lui, il veut des champignons coniques. Et en échange, on va avoir un grand breuvage de la mort. On va faire la quête. Et ça me fait quoi, le grand breuvage de la mort? Fait augmente les dégâts faits aux non-morts. Et la résistance face à leurs attaques. Pendant 600 secondes, donc 10 minutes. 33% contre les non-morts et 15 résistances face à eux. Alors c'est pas mal, mais ça va pas m'aider contre les hordes, ça par contre. Si on veut te parler, ok, maintenant il veut des satyres puants et il va nous donner 120 d'argent, donc le double de ce que j'ai, ce qui est pas mal. Ah, alors là on a un passage, alors c'est empoisonné, plusieurs descentes. Est-ce que... Ah, attention, hop. Il y a quelque chose d'intéressant là-bas, je pense pas. J'aimerais bien du fer, mais peut-être faut aller un peu plus profond. Oula, formidable. Allez, on y va. Attaque-le! Ah, il attaque le rat. Il y a combien de gars? L'autre gars aurait pas pu les tuer.
Alors j'ai fait une belle petite sortie, j'ai trouvé un endroit où il y a un troll, le problème c'est qu'il est un petit peu trop haut level pour moi, il a 300 et des poussières de vie, je ne pense pas que je puisse le tuer avec ce que j'ai actuellement. Donc je vais quand même ranger ce que j'ai là, on va partir... Ah, j'ai pas tout rangé parce que je veux des choses à vendre. Ah, j'ai pas grand chose à vendre là actuellement, mais on va quand même mettre les ressources là. Ok. Je me dis, je vais peut-être faire quelques lingots de cuivre et je vais les vendre là-bas. Ça pourrait être pas mal. Et peut-être ça me fait monter le level également. On a toujours pas trouvé de fer par contre. Je suis pas allé assez profond apparemment. Donc des lingots de cuivre. Est-ce que je peux transformer? Ouais. Je vais les vendre, je pense que ça se vendrait mieux que le cuivre en lingot. Ensuite, le reste c'est en fer, donc on va pas s'embêter. Il me faut au moins de quoi payer le chemin, parce que je vais pouvoir payer 50 pièces pour aller au village. Et j'aimerais revenir avec au moins autant d'argent que j'avais avant d'y aller. Alors oui, on a des quêtes apparemment à valider. Alors, pain non, toi non. Celle de roche, génial, on a obtenu de la farine et peut-être que le corbeau a quelque chose d'autre pour nous. Non? Si? Ok, il arrive. Peut-être qu'il a une autre quête. En attendant qu'il se pose, on chope les plumes. Tu reprends la production. Il veut du miel. On va valider. Génial. Ici, t'as peut-être de la laine pour moi. Prends la production. J'ai plus. Je n'ai plus de moutons. Alors, il n'y a pas une autre quête? Non, il revient. Si, il revient. Il revient. Ok. Ouais, tant qu'on valide, il va revenir. Il va revenir. Il va peut-être falloir faire à manger au passage. Des plumes pour 30 flèches en fer. Oh, génial. Génial, ben on l'a obtenu. Et un dernier passage peut-être, monsieur le corbeau? Oui, encore. On va les valider, les quêtes. On va pas dire non. Cocon d'araignée. Contre un steak d'araignée. Bon, on l'a validé. Je sais pas combien d'autres il m'en faut pour obtenir le fragment du téléport. C'est tout? Ouais, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être le dernier. Très bien. Donc on va aller à la carte principale. Et voici les 4 régions et au centre la ville. Donc on va payer 50. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'y aller là actuellement, mais c'est plus pour vous montrer. Donc ici nous avons, ah oui, le temple. Un endroit où on va pouvoir invoquer un dragon. Parce que notre ancêtre est un dragon, on est le clan du dragon. Et alors pour le ressusciter, il nous faut l'ancêtre du dragon, je sais pas l'obtenir. 2 brebis, bon ça peut être cata. Par contre il me faut également 1000 d'or. Bon, je suppose que quand j'aurai la statuette... J'aurai probablement les 1000 d'or. Ok, donc on va revenir en arrière. Et alors, on a une cuisine, ici, là, pour faire à manger. Donc ça, on va pas s'embêter, c'est pas important. Et là, surtout, on a un magasin. Donc allons voir ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, commercer. Donc des choses que j'ai vendues. Quelques potions de santé, plus 500 de santé. Ouh! Plus 250, ça m'intéresserait plus, mais ouais, le prix est de 112, donc il n'y aurait pas une plus petite, non, non. 350, plus 0,15 de métabolisme, 5 de dégâts, rien qui m'intéresse particulièrement, par contre ça, je veux les vendre. Alors, vous voyez, ça me dit espace, tout vendre, mais bon, ça m'avait fait peur au début, mais non, en fait, ça vend juste. Tac, d'ailleurs, il faudrait que je voie ce que j'ai. Brassard en cuivre, on pourrait le vendre, je pense que je peux vendre le torse. On va quand même regarder avant. Alors, on va changer. Ah oui, c'est vrai que ça me donne moins, c'est ça? Moins 2 d'armure. On va le garder, le torse, par contre les chaussures, là je suis à 1. Et là je suis à 1. Ah, par contre si je porte plusieurs pièces à la fois. Je suis à 5 sur 7. Allez, si on met le torse. On est à 6 sur 7. Ouais, j'aimerais bien avoir le dernier, mais on peut en tout cas vendre le reste. Très bien. Donc toi, vendre, vendre, vendre. Toi, tu me protèges plus, mais j'ai pas beaucoup de pièces du chasseur. On peut vendre du bouclier, je pense. Et on est à 222, on a gagné plus. On va le garder. On va le garder au cas où si je peux réparer, je sais pas. Et on va repartir. Pas énormément de choses à faire ici. Hein. Ouais. Et on est dans cet endroit.
Bien. Alors, il fait encore jour. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, regardons pour les améliorations. Oui, c'est vrai. Je me rappelle plus du tout, du coup, là, j'ai un trou. Il va bientôt faire nuit, alors je vais combattre... Ah oui, il faut des pots de sanglier. Voilà, je viens de m'en rappeler. Il me faut des pots de sanglier. Si je veux t'améliorer, toi, il te faut quoi? On regarde au passage. Moi, j'ai ce qu'il me faut. Donc, on va améliorer la cuisine. Voyons voir ce que j'ai débloqué. J'ai débloqué des belles choses. Plus de points de vie. Alors, on va les mettre. Tac. Tac. On va les claquer comme ça. On est bon. Alors, la nuit est là. Donc, je vais aller. La dernière fois, il faisait nuit. Je suis allé à l'ouest et j'ai vu un sanglier. Je vais peut-être changer d'arme et prendre quelque chose de plus performant. Ouais, genre toi. Et on est parti. Peut-être qu'éventuellement je vous envoie si je peux vendre les os. La pierre de construction. Prive pas. La musique est vraiment, je trouve, très inspirée. Ah, j'ai juste un loup là. Alors on n'est pas encore au bout. Ouh, tu résistes toi. Tu résistes. Alors je vais manger le gâteau là où il est, je sais pas ce qu'il y a. Les crêpes. Ah, le voici. Le voici. Donc on va l'attaquer pour qu'il nous... Ah, il nous a vu. Ouh. Ouh. Ok, il a l'air plus costaud. Ok, ça, ça a l'air de fonctionner. J'ai plus par contre de flèches. On va prendre celle-ci. Je vais devoir l'attaquer à distance, sinon je vais me faire défoncer. Fais pas de... Ok. Il est mort. Ouh. Ok. J'ai combien? J'ai eu une peau de sanglier. Une seule. Ok. Ouais. Une seule, c'est pas beaucoup. Parce que là, je vais en avoir besoin de beaucoup plus. Si je veux... je veux améliorer mes bâtiments. Il m'en faut au moins déjà deux juste pour l'alchimie. Donc il me faudrait un deuxième sanglier. Mais apparemment, je peux bien les avoir à distance. Et au passage, j'en suis où à mes compétences? On est à 3 en bûcheron, donc on a plus 5% d'économie. Ok, je suis peut-être en vendant. Plus 15% de compétences de travail, pareil. On a plus d'armure avec l'artisan. Et j'aimerais bien monter l'alchimiste, le cuisinier et le chasseur. Le chasseur, je pense que ça se monte avec l'arc. Peut-être en tuant juste les animaux. Il va me falloir trouver... Je vais aller également au... Pour virer l'effet rouge là, je vais aller au trône de l'autre côté. Il faut juste que je me dépêche, voir si je trouve un autre sanglier avant, peut-être là-bas. Parce que si je peux le tuer à distance, ça va être beaucoup mieux que l'épée de ce que je vois. Est-ce que... Ah non, j'ai pas le bouclier là. Ok, donc fais un petit coucou à notre base. Vous allez attendre un peu. On va ramasser le chou. La courgette ou je sais pas quoi. Ah, les champis. Est-ce que c'était ça? Ça tire puant. J'ai l'impression que c'était ces champis là que le gars d'en bas demande. Champignons blancs. Des boletus. Il veut pas le ramasser. Ah, champignon hivernal. Et là, je pense que ça va être chaud pour le. Pour. Okay.
ramasser. Ok. J'espère qu'il va pas disparaître avec la journée. Ça, je le combats, il fait jour, mais il est toujours là. Mais il me reste deux flèches. 3. Oula. Disparaît pas mon petit. Non. Non. Il va disparaître. Il a disparu, zut. Bon bah on va sur le trône et on va recommencer la chasse. Bah la journée suivante il va me falloir faire un paquet de flèches. Là je suis vraiment déçu hein. Je crois qu'il était vraiment sur le point de mourir et j'avais tellement peur de me faire tuer que j'ai voulu être prendre plus de précautions et c'est voilà, non, fallait pas. Très bien, alors les moutons, désolé mouton, j'aimerais bien te capturer, te ramener à la maison, mais là il faut que je récupère des points de vie. Alors j'ai récupéré mes points de vie, j'ai fait un petit peu de récolte et apparemment lui est revenu. Il veut également des lingots de fer, mais c'est pas possible les lingots de fer, comment on va les trouver, je ne sais pas. Maintenant je vais aller du côté gauche parce qu'on va aller voir pour trouver un nouveau sanglier. Donc la nuit va bientôt arriver. Et je vais voir si j'ai des petites ressources sur le chemin. Toi. Tu l'as pas, j'en ai pas tué dernièrement. Ah, zut. Ça, c'est quoi déjà? Entrée, on va voir. Une crypte. Ouh, ok. Est-ce que je prends le risque? On va voir combien ils nous font de dégâts. Oh purée! Oh purée! Non! C'était beaucoup trop bourrin, ils ont juste été trop dangereux. Alors, je regarde. Il faut que je retourne récupérer mon corps, c'est ça? D'accord, purée, je suis pas mort du tout. Même, je sais même pas si j'étais mort dans ma vidéo précédente. Alors, ok, d'accord. Bah, vous voyez, les squelettes peuvent être dangereux. Ils peuvent être très dangereux. Ah, ouais, je regrette un peu d'y être allé parce que là je vais récupérer mon corps et je pense pas que je vais être prêt à aller combattre le sanglier. Quoique en étant à distance. Ah, oh génial, génial, il est là. Alors comment ça fonctionne? Le corps est là. Ah, voilà. Ouais, j'ai récupéré tous mes points de vie. Génial, bon on va chercher le sanglier. On va plus là-bas, on n'y va plus. On chope les légumes sur le chemin, toujours. Alors j'ai plus beaucoup de flèches mais j'en ai d'autres. Rappelez les 30 flèches que l'on a eu en quête. Qui devraient être toujours dans le coin. Dans l'inventaire. Donc tout ça je le prends parce que ça va peut-être me permettre de... Ah il n'y a pas de sanglier là. Ça me serait peut-être utile toutes ces fleurs pour le... Pour l'alchimie. Bon bah on va de l'autre côté. Ah, alors on va... On va éliminer eux et le sanglier apparaît juste derrière moi en fait. Ah voilà, ça c'est bon. Ça c'est très bon. J'en avais une autre, tiens, au passage. Tac. Et on va changer chez le flèche. Donc elles font 15 de dégâts. Ouh bah tu vas rien comprendre le petit sanglier. C'est parti. 24. Ouh. Non. Arrête ta charge. Je crois que... Ok, voilà, il l'a arrêté. Voilà. Et là, j'ai ce qu'il me faut. Mais on va juste quand même tuer le loup. Ça fait partie, je pense, de la chasse. Et donc, ça devrait me donner de l'XP. Voilà, bon, on va de l'autre côté. J'ai ce qu'il me faut. Est-ce que je commence... Non, je vais pas m'embêter à aller chasser l'autre sanglier. Si on a besoin de plus, on ira en chercher. Là, je veux juste vraiment faire améliorer mon château. Donc, c'est ma priorité, là. Loison. Effet blessure de mort. Ça dure un certain temps ou quoi, ça? Je sais pas. Je sais pas comment le virer. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Ou alors, il me manque des planches. Ah,
c'est un lingot de fer. C'est un lingot de fer qu'il me manque. Bah donc du coup je vais repartir. Je vais repartir creuser. Est-ce que j'ai plus que un de cuivre, donc on va devoir en faire un autre. Ah, il est vraiment dur d'avoir du fer et je suis déjà pratiquement au level 8 ou 9, donc je ne comprends pas trop là ce qui me bloque. Ce qui me manque pour... est-ce que j'ai fouillé au mauvais endroit ou est-ce qu'il est juste super profond? 3 lingots de cuivre, il me manque. Ah, à chaque fois je me gourre. 1, 2, 3. On va peut-être faire les autres outils également cuivre. Et il va me falloir à manger pour me soigner pendant que je suis en bas. Et bon, en avant. Ah, je voulais vous montrer. Ok, le troll est là. Il va falloir... C'est convaincu. Ok, je m'étais même pas préparé. Bon, du coup, je vais changer de torse. Donc, tac, maintenant j'ai un torse complètement... Ouais, plus complètement... J'ai un set complet. Alors, j'ai réussi à retirer ma blessure en buvant la potion de régénération. Je vais prendre une potion de santé qui va me donner des points de vie. C'est pas mal. Et il a pas l'air d'être trop bourrin non plus, mais alors mon problème... Voilà, ok. Alors je vais changer d'arme quand même, et on va tenter... Ça lui a pas fait de dégâts? Oh, 48! Il est sensible. Ok, en gros il esquive la moitié. On va s'éloigner. Quand même lui faire un peu de mal. Et puis après on va aller en mêler. Pourquoi est-ce que tu esquives des flèches? Ah et maintenant j'ai ça qui se ramène. Vraiment ça fait pas beaucoup de dégâts. Ok, je pense que c'est juste moi qui rate. Je dois être trop naze avec. Oh ok. Ou alors c'était l'animation qui était pas finie. Je vais reprendre mon arme. Vas-y, fais ton attaque. Ah, ça fait des dégâts quand même. On va prendre la potion. Il a beaucoup de points de vie, mais j'ai pas trop le choix là. Ah, juste, je dois repartir de l'autre côté. J'ai pas trop le choix, je dois absolument le tuer, sinon je pense que je n'aurai pas accès. Sinon je pense pas que j'aurai accès au fer. Ouh, c'est... Eh, il avait pas l'air... Ouh, level 3 guerrier, un fragment de portail. Oh, c'était un boss. C'était un boss, génial. Donc on a un fragment. Donc on va tenter de le poser. Peut-être pas taper avec ça, peut-être avec toi. Ah, c'est cette gourde, ce gourdin. Allez, mourez. Voilà. Ouh, je suis content. Du coup, on va manger. Ça, ça a l'air plus dangereux. Ça, ça a l'air encore plus dangereux. Alors on va essayer la potion et on va le tenter. Il faut que j'arrive à aller de l'autre côté. Ouh. Pourquoi ça, ça me rassure pas? Est-ce que j'ai un autre arc? J'ai pas d'autre arc. On va tenter. Un coup en mêlée. En se protégeant peut-être. Ouais.
Ok, on va partir. C'est pas possible. Ou alors je peux peut-être juste passer et l'ignorer. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il n'y a rien dans le coffre. D'accord. Je veux du fer, je veux du fer. Il y en a pas. On va devoir monter. Ok, j'ai quand même réussi à... Ah, est-ce que c'est du fer ou c'est du charbon? C'est la question. Parce que sans fer, je ne peux rien faire. Là, je peux pas faire de meilleur équipement. Je peux pas survivre et je sais pas trop ce qui se passe là. Pierre de construction. Charbon, c'est du charbon. Zut, peut-être si je vais de l'autre côté. Je peux pas descendre là. Un petit peu de cuivre, on va le prendre quand même. Continue vers là, le gars a pas l'air de suivre. Alors, j'atteins le level 10, ou... Alors, on va les tester, peut-être. Ah, j'ai plus d'arc. On va voir ce que ça a donné, peut-être je vais mourir. Non, ça va, j'ai l'air de tenir le coup. Alors, on va les éliminer avec un peu de chance, je vais obtenir des nouvelles armes. Ah, et là, j'ai plus que mon gourdin. Le gourdin qui va tenir jusqu'au bout. Ah, il y a une arme, là. Ok, je l'ai ramassée. On va la prendre, on va la mettre là. Pareil, tant que j'ai pas de fer, je peux pas faire de nouvelles armes. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Créer. Ok, donc ça, c'est ce que l'on avait au-dessus. Il me faut des essences de magie. Je peux peut-être en acheter. Et même à ce niveau-là, je n'ai toujours pas ce que je veux. Ah! Oh! Si! Alors, j'ai une horde qui approche, mais je vais peut-être avoir le temps de choper un petit peu de fer. Oui, c'est du minerai de fer. C'est du minerai de fer. J'en ai pas beaucoup. On va aller descendre, hop, en dessous. On va descendre en dessous. On va aller choper ce qu'il y a là. Oh là là, il a fallu atteindre le level 10 et le level 11 pour obtenir du minerai de fer. J'espère que je vais avoir le temps de rentrer et que je vais avoir le temps également de produire ce dont j'ai besoin. Je sais pas combien il me faut de minerai de fer pour un lingot. Je crois que c'est 3 ou un truc du genre. On va finir le filon là et on remonte. Et alors, au passage, je suis passé level 5 en mineur. Donc, génial également. Ok, et le pic est sur le point de se casser. Il me reste 4 minutes pour la horde. Il y avait du fer encore là. Donc, on remonte. Et cette fois-ci, il faut se dépêcher. Alors, on arrive et j'ai 1 minute 30 pour mes préparations. Il me faut un nouvel arc. Il faut des flèches. Il me faut le faire fondre. Alors, l'arc. Je vais pas améliorer, je vais le faire fondre. Du coup, je veux toi l'arc en nif, j'ai plus de cordes après, il va falloir refaire. Bouclier en cuivre, on n'en veut pas pour le moment. Faire quelques cordes, comme ça, ça va pas me limiter s'il y a besoin. Ensuite, on va tenter de faire fondre le fer. Lingot de fer, génial. Ouh, j'en ai... C'est deux par lingot, ok, donc là, on va en faire une dizaine. Ça va peut-être me faire passer de level au level suivant. Et est-ce que là, je peux faire une épée, une hache en fer et une épée en fer. Une épée en fer, oh, ça c'est bon, on la fabrique. Je pourrais, lorsque j'aurai des peaux de lapin, faire des brassards en argent. Mais bon, c'est pas ce que je veux là tout de suite. Maintenant, on va de l'autre côté. Ah, demandez votre récompense, pourquoi? Piège en fer. On va attendre pour ça. J'ai pas le temps de valider la récompense là tout de suite. Je veux faire monter de level toutes mes choses. Je me rappelle même plus pourquoi je voulais faire monter. Ah, ça je crois qu'on peut. Ouais, on viendra sur ça après. On le fera monter la cuisine de level pour la fin. En avant. Génial. Et je voulais... Alors oui, je voulais de l'huile inflammable. Il me faut de la braie inflammable pour faire de l'huile. Ben, je dois avoir... Ouais, j'ai ce qu'il me faut. On va faire... Je crois qu'il m'en faudrait une vingtaine, là. Alors, par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait un... Genre, j'ai pas appuyé fin fois, vous voyez, pour faire ce que je veux, mais que j'ai plus... Oula, je sais pas s'il y en a assez. Ok, maintenant, on va dehors. On va juste voir si je peux faire à manger. Navet. On va faire ça. J'ai rien d'autre.
Ah, level. Ou passer 3 en cuisinier, ce qui va me faire gagner des points de vie également. Bon, des points de vie totaux. Ce qui. Ouais. Tu vas pas m'aider là parce que je veux plus les points de vie actuels en plus. Alors, on grimpe. Ensuite, citadelle. Alors, j'ai soit citadelle. Ouais, je peux. Je peux en faire deux. Construisez une tour légendaire de gui en bois et protégez le totem et vos oubliettes. Construisez une muraille légendaire en bois et protégez le totem et vos oubliettes. Ok. On va faire toi. Il va me manquer des planches, mais c'est faisable en 30 secondes. Ok. Il me reste encore assez de madriers, heureusement. Et je voudrais plus de flèches. J'ai pas de plumes. J'ai pas de plumes. Bon, bah, c'est comme ça. Est-ce que. Mon poulailler. Non, mais de toute façon, ça va être trop tard. Je pense. Ah, zut, je me suis gouré. Je me suis gouré d'endroit. C'est pas celui-là que je voulais aller. C'était là. Ah, la porte. La porte qui me fait une blague. Ok. On va faire les murs. Valider ça. On peut pas le faire. On prend la production. Allez, le temps qu'ils arrivent, je pense que je peux me faire des flèches. Alors, est-ce que je peux me faire des flèches en fer? Ok, j'avais le bouton prendre la récolte, mais en fait, il n'y avait pas de récolte. Dommage. Bon, on va se défendre. Ça fait beaucoup d'allers-retours pour la fin. On va prendre... On va équiper l'arc. J'ai 14... Ouh, j'ai 43 flèches. Bon, on va sortir les flèches là, plutôt. On élimine le côté là. Et en fait, si je laisse pas l'animation finir, même si la flèche est partie, je ne fais pas de dégâts. Bon, ok, j'ai bien une nouvelle arme. J'ai tout ça. Et on est pas mal, et on est pas mal. Bon, on a continué à progresser. Je... Réparer, bah tiens, hop. Il va être réparé. Commence à avoir de la tête. Et il me faudrait faire les tours. Level 2. Là, il me faudrait de l'huile inflammable. Mais bon, là, j'en ai pas. Et je pense qu'on est à la demi-heure. Peut-être même dépassé. Faudra voir avec l'édition. En tout cas, ouais. Donc, ça a gagné des points de vie. On a fait monter de level. Et peut-être éventuellement, on pourra avoir vraiment un bâtiment. Peut-être passer à la roche un jour. Plutôt que continuer avec le bois. Ça m'intéresserait pas mal. Mais bon, hein, comme je vous ai montré, hein, le jeu a du contenu. J'ai encore des donjons à visiter. Ah oui, bah tiens. Au passage, on va déposer la pierre de téléport. Je l'ai jamais fait ça. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Hop, donc c'est juste à côté. Au passage, on ramasse les champions, on a une quête sur ça. Mais bon, ça a l'air pas d'être les bons. Et apparemment, on a posé la première. Et une fois que ça s'est complété, on pourra se téléporter et quitter ce monde super dangereux. Donc voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye!